vidéo, j'ai décidé de vous parler de sneakers, principalement de sneakers pour l'automne. Les sneakers, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est en quelque sorte des baskets que l'on n'utilise pas pour faire du sport, mais vraiment plutôt pour porter dans la vie de tous les jours. Et moi, j'aime beaucoup changer de sneakers selon les saisons, donc évidemment, j'en ai pas non plus des centaines. Mais je trouve qu'il y a vraiment des sneakers plus ou moins adaptés aux saisons, principalement par rapport aux teintes de couleurs. Donc je vais ici vous présenter quelques modèles qu'on voit souvent sur les blogueuses, sur Instagram, et peut-être que vous recherchez sans savoir leur nom, leur modèle et comment les trouver, donc c'est parti. La première sneakers qu'on voit vraiment tout le temps sur les blogueuses, c'est la Reebok classique avec différentes teintes. Donc la plus connue, c'est un peu une teinte taupe. Je vous mettrai sa référence en barre d'infos, je sais pas comment elle se prononce, donc je vous l'écris ici, je vous mets des photos. C'est un peu une teinte taupe hyper jolie et vraiment la voit tout le temps, je trouve. Elle est difficilement salissable, elle passe avec toutes les tenues, que ce soit assez coloré, assez nude, même si souvent durant les périodes d'automne on porte des habits assez nude dans les tons beige, blanc, gris, noir. La couleur donc taupe s'appelle Smoky Orchid, mais elle existe, donc ce modèle de Reebok existe aussi en couleur Sandy Rose et en couleur Meteor Grey. Je trouve qu'on voit un peu moins les roses et les grises, mais elles sont super jolies aussi. Donc c'est vraiment des chaussures que je vous conseille. En plus, la matière elle a l'air super agréable. Je les ai jamais essayées, mais voilà, les Reebok ça me tente beaucoup, donc je pense peut-être me les acheter. Ensuite, troisième paire de sneakers, c'est le sneakers léopard. Alors c'est vrai qu'il y a quelques années, moi j'aimais pas trop, je sais pas, j'avais toujours l'image des vieilles qui s'habillaient complètement en léopard et tout. Mais je trouve qu'en sneakers ça rend super bien, donc j'en ai trouvé une paire d'Adidas avec vraiment une hyper bonne imitation. Après sur le site c'est marqué qu'elles ne sont plus disponibles, donc je sais pas du tout si il y a possibilité de les retrouver. Je vais essayer de chercher ça et si je trouve je vous mettrai le lien en barre d'infos. Si vous avez une idée de où en trouver, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas elles sont vraiment magnifiques, pareil, enfin, ça va super bien dans les teintes un petit peu orangées de l'automne et ça change, c'est vraiment original si vous aimez pas faire comme tout le monde. Ensuite, pour une paire encore hyper classique, c'est vrai que moi pour l'automne j'aime bien avoir des paires assez discrètes, voilà, et pour les autres saisons avoir des paires plus voyantes. Donc c'est la Nike Cortez, j'en avais déjà présenté pour des sneakers pour l'hiver de l'année dernière, je vous mettrai la vidéo en barre d'infos. Couleur champignon, blanc sommé, gomme, marron. La gomme c'est la semelle en gros, ce qu'on voit de la semelle. Et elle est vraiment marron et je trouve que ça rend beaucoup plus jolie la chaussure, même si la gomme est toute petite. Et la chaussure elle est d'une couleur hyper nude mais pas blanche, parce que le blanc c'est vraiment un mauvais plan en automne avec le mauvais temps. Et le beige c'est un bon intermédiaire pour ceux qui souhaitent avoir des chaussures claires. En plus cette paire elle est pas super chère, elle est à 85 €. C'est vrai que les Cortez bon c'est pas nouveau mais elles sont vraiment hyper jolies, j'adore. Je les conseille tellement, je pense que c'est vraiment un basique pour l'automne et même pour l'été, pour toutes les autres saisons c'est un basique à avoir. Elle existe aussi en noir, je suis un petit peu moins fan mais il y a quand même la semelle beige, donc je trouve que ça rajoute un petit truc qui rappelle les couleurs de l'automne. Ensuite pour finir je vais vous présenter une paire de New Balance, j'adore les New Balance, très franchement je les trouve super confortables. Et donc cette paire là c'est la paire M574, donc je crois pas du tout qu'elle sorte de cette année, à mon avis elle existe depuis au moins un an et principalement parce qu'elles sont réduites donc de 100 € à 80 € sur le site Zalando. Elles sont super jolies, donc elles ont vous savez la semelle un peu, le talon un peu plus épais. Elles sont grises, un peu argentées au niveau du N de New Balance et elles passent carrément. Surtout le petit côté argenté, ça rajoute une petite touche de pep sans être trop lourd, sans tomber un peu dans le cliché de Noël on va dire. Je vais vous en parler tout simplement parce qu'elles sont hyper partout, mais surtout parce que elles sont soldées, donc peut-être que ça vous intéressera. Et voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. Alors c'est clair que là je vous ai présenté vraiment des new sneakers assez basiques qui sortent pas forcément de l'ordinaire. Voilà, pour moi l'automne j'aime bien avoir des sneakers assez plutôt confortables, assez discrètes et jouer un peu tout sur ma tenue et des longs manteaux par exemple. Donc après c'est à vous de voir si d'autres vidéos vous intéressent, par exemple dans ce style pour Noël, j'en avais déjà fait une mais je peux en refaire une. Pour des tenues, je sais que je suis pas une professionnelle mais peut-être que ça peut vous intéresser. Et surtout je regarde souvent des chaussures pour ceux qui n'ont pas forcément des moyens de s'en acheter à 500 €. Tout le monde n'a pas envie de s'acheter les toutes nouvelles Air Max ou tout ça parce que tout le monde les a.
Et parfois, il faut redevenir un peu au basique. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à commenter. Vraiment, ça me fait super plaisir. N'hésitez pas à la partager avec vos potes sur Instagram, à me suivre sur mon Instagram Popstrip et mon Snap que je vous mets en barre d'infos. Je vous fais de gros bisous et bye.